Dans ma vidéo sur comment j'ai créé mon premier business à 17 ans, je vous expliquais un peu que j'avais une technique où j'imprimais des t-shirts avec un fer à repasser et une paire de ciseaux. Et il y a beaucoup qui m'ont demandé de faire cette vidéo-là. Du coup, je vais vous faire cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, je vous ai déjà expliqué un peu les différentes techniques d'impression de t-shirts dans ma vidéo sur imprimer un t-shirt en 15 minutes. Donc, dans celle-là, je vais me focus sur comment imprimer un beau t-shirt comme celui qui va s'afficher là que j'ai terminé. Ok, donc pour cette technique d'impression, logiquement, tu auras besoin d'une paire de ciseaux. Tu vois, tu auras aussi besoin d'un fer à repasser et tu auras besoin d'un truc qu'on appelle du papier transfert. Tu vois, ça s'appelle du papier transfert. Et je l'ai expliqué dans ma vidéo sur comment j'ai créé mon business à 17 ans, que ce papier transfert là, tu peux le trouver dans n'importe quelle librairie où tu te trouves dans ta ville. Tu peux aussi le trouver chez des imprimeurs. Tu vois, les imprimeurs, ils le vendent souvent, le papier transfert, et c'est pas très cher, ça coûte presque rien. Donc on va commencer tout de suite, je vais pas trop parler aujourd'hui, on va aller sur l'ordinateur direct. Ok, la première étape, c'est de créer ton design. Donc pour créer le design, on va se retrouver sur Photoshop. Encore une fois, tu peux utiliser n'importe quel logiciel de montage photo. Moi, j'utilise Photoshop dans mon cas. Donc on va se retrouver sur Photoshop et on va avoir une image d'un t-shirt là, juste pour visualiser un peu le design. Donc ce qu'on va faire, moi je veux imprimer dans le dos de mon t-shirt, je vais imprimer mon nom avec mon numéro, tu vois, comme un t-shirt de football. Donc ce que je vais faire, je vais directement mettre le texte et je vais écrire Ipson, tu vois. Si tu me suis depuis un bon moment, tu connais la référence, hein. Quand je dis Ipson, tu sais de quoi je parle, tu vois. Je vais écrire Ipson ici, voilà, un peu comme ça, et je vais écrire mon numéro, ça sera 10, parce que je suis un numéro 10, tu connais. Donc on va écrire 10 et on va agrandir un peu le numéro. Voilà, on va l'agrandir un peu, voilà. Donc ça sera un truc comme ça, Ipson numéro 10, tu vois, c'est frais. Là, c'est encore juste la visualisation sur l'ordinateur, donc le design n'est pas encore terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, lorsqu'on a visualisé à quoi va ressembler notre t-shirt, on va maintenant exporter notre design. Et notre design, c'est seulement le Ipson et le numéro 10. On n'a pas besoin du maillot qui est derrière. Et pour ce faire, on va créer un nouveau projet. Et ce nouveau projet là, on va le mettre aux dimensions d'une feuille A4, parce que notre papier de transfert, le plus souvent, il est en feuille A4. Du coup, notre nouveau projet qu'on va créer, on va le mettre en format A4. Donc ça, c'est le format A4 pour notre papier. Donc ce qu'on va faire, on va déplacer notre design sur notre nouveau projet. Notre design Ipson et numéro 10, on va le déplacer sur le nouveau projet et on va le mettre ici, ok? Et maintenant, ce qu'on va faire, puisque ça ne se voit pas, on va rajouter des contours noirs à notre écriture pour que ça se voit. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi je rajoute les contours. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas agrandir ton design pour qu'il soit bien dimensionné en fonction de la feuille A4, tu vois? Pour qu'il prenne assez d'espace, il faut qu'il soit pas trop grand aussi. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, je vais bien proportionner mon numéro 10 et je vais proportionner le Ipson aussi maintenant. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que il faut rajouter les contours noirs sur ton design. Déjà, si vous avez regardé ma première vidéo sur comment imprimer un t-shirt en 15 minutes, vous verrez que lorsque tu finis ton design, tu l'envoies à la découpeuse, tu vois. Et la découpeuse, c'est une machine, donc elle découpe automatiquement les contours de ton design. Maintenant, dans notre cas, nous, on va les découper manuellement à la paire de ciseaux. Et pour pouvoir se faire, il faut qu'on ait des repères. Tu vois, donc les contours noirs vont nous servir de repère et on pourra couper autour des contours noirs pour que notre design soit bien découpé. Même si c'est à la main, ça va faire plus professionnel, tu vois. Du coup, pour ce faire, il faut pas que tes contours noirs ils soient trop épais, tu vois. On va les diminuer un peu, voilà, juste un peu. Et fais la même chose pour le numéro 10 aussi, voilà. Juste des petits contours. Et maintenant, on a notre écriture, on a nos contours. La prochaine étape, c'est d'imprimer maintenant tout ça. Donc, tu vas maintenant prendre ton papier transfert, tu vas le mettre dans ton imprimante et tu vas envoyer le design et cette feuille A4 là, tu vas tout envoyer sur ton imprimante et tu vas imprimer tout ça sur une feuille papier transfert que tu vas mettre dans ton imprimante. Donc, je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton papier transfert et tu vas le mettre dans l'imprimante. À la place où tu dois mettre le papier normal dans l'imprimante, tu vas mettre ton papier transfert. Donc, on va prendre notre papier transfert ici. Sur le papier transfert, c'est comme une feuille normale, tu vois, comme une feuille A4, feuille d'imprimante normale. Sauf que ce n'est pas une feuille normale. Donc, c'est ça. Tu vas prendre ton papier transfert et tu vas le mettre dans ton imprimante. Tu vas le mettre dans ton imprimante. Voilà. Donc, tu mets le papier dans ton imprimante. Maintenant, tu vas maintenant imprimer ton design. Tu choisis ton imprimante ici. Normalement, tout est bon. Tu appuies sur Print. Et ça va t'imprimer ton design maintenant. On attend que l'imprimante maintenant imprime le design. Ok. Donc, notre design a fini d'imprimer. C'était très rapide.
ça a pris quelques secondes et tu vérifies que tout est bien propre. Hein. Je vous montre un peu, vous voyez bien? Est-ce que vous voyez? Vous pouvez pas voir parce que à cause de la lumière. C'est pas bien grave, vous n'arrivez pas à voir, mais tout à l'heure, je vais bien vous montrer. Mais ça s'est très bien imprimé, tu vois. Donc, l'étape suivante, c'est de découper tout ça, bien évidemment, avec la paire de ciseaux. Donc, on passe à l'étape suivante maintenant. Ok, donc là maintenant, voici notre design ici, Ipson. Ok, la prochaine étape maintenant, c'est de découper tout ça avec la paire de ciseaux, tu vois. Donc, c'est très simple, hein. Tu vas juste découper les contours du 1 avec les contours du 0, tu vas découper autour. Et le Ipson, tu vas découper chaque lettre. Tu vas découper I, tu vas découper B, tu vas découper S, tu vas découper O, tu vas découper N, tu vois. Si tu as une machine, la machine, elle va faire ça automatiquement, mais nous, on n'a pas de machine. Donc, on va le faire à la main. Et lorsque tu vas découper, fais en sorte que les contours noirs disparaissent, tu vois. Tu ne veux pas garder les contours noirs. Donc, tu vas couper de sorte que les contours noirs qu'on a laissés disparaissent à la découpe. Donc, on va commencer à découper maintenant. Ok, donc on a fini de découper le numéro 1, tu vois. On a ça maintenant. Et ensuite, on va découper chaque lettre et le 0. Donc, pour ne pas que la vidéo dure une heure, je vais faire passer cette partie de la découpe. Et on reviendra lorsque j'aurai fini de découper. Ok, maintenant, on a terminé notre découpe. Voici le I, B, S, O, N, le Ipson et notre 1, notre 0. Du coup, là, maintenant, on est prêt pour aller coller tout ça sur notre t-shirt. Allons-y. Ok, maintenant qu'on est sur notre planche à repasser, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va placer nos lettres. Commencer à visualiser un peu comment on va placer tout ça. Ipson. Et ne vous moquez pas de mes découpes, hein, elles sont pas parfaites, mais bon, c'est à la paire de ciseaux, donc bon, à pas trop juger ça. Donc Ipson, ça sera un peu Ipson comme ça. Je pense que je vais le faire monter un peu plus le Ipson, hein. Peut-être ici comme ça, et à ce niveau là. Voilà. Et mon numéro 10 là, sûrement beaucoup plus en bas, beaucoup plus en bas du t-shirt. Quelque part ici comme ça, ok. Donc maintenant qu'on a visualisé comment on va placer, on va maintenant les placer, tu vois ce que je veux dire. Ce qu'on va faire, normalement le papier transfert là c'est comme un autocollant, tu vois un peu. Donc ce que tu vas faire, donc tu vas chercher à décoller ça. Ok, j'ai réussi à décoller, voici le papier transfert. Donc quand tu décolles, il y a une partie, c'est que du papier, tu vois, genre du papier normal. Tu vas la jeter, tu t'en fous de ça. Donc tout ce qui t'intéresse c'est la partie transfert là, c'est un peu léger, tu vois, un truc un peu léger comme ça. C'est cette partie là que tu vas coller sur le t-shirt. Donc tu vas juste la déposer ici, comme ça. Donc tu vas maintenant le faire pour les autres lettres, les décoller du papier et aussi les placer ici. Donc je vais faire passer cette partie là pour ne pas que ça dure une éternité. Ok, donc on a terminé et j'ai fini de décoller chaque lettre. Je les ai placées sur mon t-shirt. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher une règle pour vérifier que tout est droit, tu vois. Grâce à la règle, je peux vérifier que tout est bien droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le fer à repasser. On va aller chercher notre fer à repasser, on va le brancher, bien évidemment. Lorsque vous prenez votre fer à repasser, faites attention dans les réglages du fer à repasser, coupez la vapeur, tu vois. Faudrait pas qu'il y ait de vapeur. Donc mettez dans le réglage où il y a zéro vapeur. Et pourquoi je dis couper la vapeur? Parce qu'on ne veut pas que de l'eau verse sur notre design, sinon ça va gâter notre papier transfert. Si de l'eau verse dessus, ça va gâter notre papier transfert. Donc on va couper la vapeur et vous allez prendre une feuille comme ça. Cette feuille là, elle vient avec, normalement elle vient avec le papier transfert. C'est comme du papier calque quoi, c'est pour protéger. Pendant que vous allez faire la pression, ça va protéger votre papier transfert. Donc faites attention à ne pas trop bouger, que ça reste toujours droit. Voilà, ça reste toujours droit. Et maintenant on dépose ça dessus. Voilà, Ipson, normalement c'est droit là. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre fer à repasser et vous allez attendre qu'il soit bien chaud d'abord. Attendons que le fer à repasser soit bien chaud d'abord. On attend peut-être 10 à 15 minutes que le fer à repasser se chauffe et on reviendra pour terminer notre t-shirt. 15 minutes later. Ok, donc maintenant que ton fer à repasser est bien chaud, ce que tu vas faire, tu vas le prendre et tu vas le presser sur les écritures jusqu'à ce que les écritures se collent sur ton t-shirt. Donc tu vas prendre ton fer à repasser comme ça et tu vas le presser très fort, hein. Tu le presses très fort sur les écritures. Voilà, comme ça. Comme ça, vous pouvez voir aussi. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Je vais rester dans un endroit comme ça pendant au moins une 10 à 15 minutes. Et je vais bouger l'autre 10 à 15 minutes aussi. Et vous répétez ça pendant 2-3 fois pour que ça colle bien sur le t-shirt. Voilà. Et normalement, c'est terminé. Et là, vous voyez le Ipson, il est bien collé. Je passe ma main dessus, c'est très bien collé. Là, maintenant, on va coller le 1 et le 0, le numéro 10. Ok. Donc, maintenant, on va coller le numéro 10, le 1 et le 0. C'est le même procédé, j'ai déjà décollé les lettres du papier. Là, je vais mettre la protection. Donc, je vais commencer par le 0 d'abord. Alors, ensuite, je vais faire le 1. Donc, on va prendre encore le fer à repasser. Et puis, on va appuyer dessus. Et on va appuyer encore dessus. Que ça se colle sur le t-shirt. On va vérifier que c'est bien collé.
Ok, c'est très très bien collé. Là maintenant, on va passer au numéro 1. Voilà. Maintenant, on va coller le numéro 1. Normalement, c'est fini. Normalement, c'est bon. Le 1, il est aussi collé. Ok. Normalement, tout est bien. Là, le t-shirt, il est bien propre. On va le soulever pour que vous le voyez. Voilà. Ipsos numéro 10. C'est bien frais. C'est bien beau. On va l'essayer tout ça et on revient tout de suite. Donc, notre t-shirt est terminé. Ipsos derrière. Ça se voit très bien, non? So, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé un peu tout ça. Et n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace out.